Mais l'inconvénient que l'on a, c'est qu'on manque de précision. Donc sur les gestes. Avec Sylvie Vatou qui reprend son ballon. Sylvie Vatou qui va au bout. C'est une de Leymond Grenz. Magnifique essai. Radosavljević qui insiste dans le même sens et qui défie les avant. Il est costaud, Radosavljević. C'est Vosso du quart de finale de Coupe d'Europe. 4 jours de physique de lundi à jeudi. Et la mêlée qui avance, la mêlée qui Clermontois qui se venge de la première période, qui va au bout de son effort dans l'embut pour un essai de pénalité et qui récompense le travail. La deuxième place, les pieds aussi pour alterner. Ah, ce ballon de Seignot pour Sylvie Vatou. La passe a été sautée. Et Sylvie Vatou a avancé comme ça à son habitude. Vermeulen encore. Ce sont les 22 mètres de casse que vous voyez ici. C'est un temps fort, peut-être la balle d'essai, la balle de bonus offensif. Avantage terminé. Avec Vosloo. Et ça continue encore. Une action de 80 mètres. Sylvie Vatou qui feinte la croisée, qui peut donner à Liburn pour Nalaga, la puissance de Nalaga. C'est l'essai. Et c'est encore Nalaga pour le bonus offensif de Clermont à moins de 4 minutes. Avec ce ballon pour Sylvie Vatou. Sylvie Vatou qui a évité encore un plaquage. Il a transpercé le premier rideau défensif, il a trouvé les soutiens avec David Strella. Voilà la réplique des Clermontois, le premier essai. Il y a un joueur qui est resté au sol. C'est Djoubari et les Biarros sont à 14. Attention à King maintenant, qui s'approche des 22 mètres des Biarros. Ballon toujours pour les Clermontois, James à hauteur pour un butin, ça va y aller avec l'essai pour Brock James. Et Clermont qui va peut-être passer devant au score si jamais il réussit à transformer. Brock James a fait les... Non. Et le ballon relevé par Chouli. En arrière. Pas d'en avant de la part de Lesgourg. Avec le soutien de Narin Ordoki. Ballon récupéré par les Biarros. Perdu ensuite. Quatre morts pour Zirakashvili. Zirakashvili qui va aller marquer le troisième essai pour les Clermontois qui vont s'échapper. Clermont en mode Coupe d'Europe avec Liburn, l'arrière qui perce la défense des Agenais. Le ballon qui ressort pour les Clermontois. On est à, quoi, à 10 mètres à peine pour Wesley Fofana, qui malgré trois défenseurs, c'est dommage parce qu'ils ne sont pas tout le temps dans les 22 mètres Agenais, mais lorsqu'ils y sont, ils font mal, avec notamment Damien Chouli qui peut servir Thomas Domingo, les internationaux en pleine forme. Domingo qui est repris mais qui va quand même pouvoir libérer son ballon avec Para qui est là, Radosavljević, hop, retour intérieur, cette fois-ci c'est Nalaga qui est là, un petit salope quoi, il en a l'habitude, au milieu de la défense, venir dans le camp Agenais. Et quand on revient dans le camp Agenais, c'est Rado avec un retour intérieur cette fois-ci pour Naketassi. On avait vu l'essai de l'ailier Fidji Para. Alors on a vu des belles courses des trois quarts. Il y a également des essais en force avec cette fois-ci. Ah bah c'est pas un avant, c'est Nalaga, mais c'est presque un autre avant qui vient valider par la vidéo. Et ça fait 28-0 après 32 minutes de jeu. Et on retrouve cette fois-ci Fofana qui déchire encore la défense avec du soutien à nouveau. Les avants sont là. Derrière, sortie Rado. Morgan Para qui prend le temps de fixer le dernier défenseur pour le premier doublé. À nouveau des Clermontois qui sont dominateurs devant. Et les gros qui sont là, qui poussent, qui reprend et qui reprennent le ballon par l'intermédiaire de Vosloo. Qui malgré le coaching réussit des trucs incroyables comme cette passe entre les jambes de Rado. Rougerie qui était dans tous les bons coups aujourd'hui pour Floch rentrer quelques minutes. Cooks qui sort sur blessure, le capitaine. Eh bien on subit encore avec un nouveau Rougerie pour Fofana qui perce la défense et qui peut aller marquer tout seul malgré le retour. Alors Agen marquera quand même un essai pour revenir à 54-20.
touche, le jeu part au large. Nakaita cite à pas suivre et Sébastien Tiusbord se retrouve acculé au pied des poteaux. Les Clermontois remettent la main sur le ballon et Noah Nakaita s'y aplatit. L'essai est validé après vidéo, mais au départ de l'action, c'est bien Julien Malzieux qui sort le ballon, qui s'offre un doublé. L'essai d'Aurélien Rougerie dans les airs, le capitaine Auvergnat avec maintenant le relais de Nathan Heinz. Wesley Fofana, le refus de Wesley Fofana qui va s'engouffrer dans cette défense, qui va manœuvrer, qui va peut-être marquer c'est le premier essai. C'est énorme, effectivement, c'est énorme. Croisé, regroupement, libération assez rapide pour Sivivatu. Liburn, crochet intérieur, Benson Stanley est au soutien et l'ancien All Black plante le deuxième essai de Clermont. Ils appuient, ils accélèrent encore avec Parra, avec Liburn. La qualité on renverse, des libérations, hein. On renverse et on joue très près avec Chouli, avec Sivivatu. Et cette fois l'essai. Fantastique, Morgan Parra va ajouter trois pénalités et à la dernière minute, Sivivatu va s'offrir un double. Sivivatu a une main, ramassé le ballon contre, et on ne récupérera pas. Sivivatu en coin, laissé, oui, le cap de la province irlandaise du Munster. On va prendre le temps de construire. Oui, patience, poser le jeu, multiplier les temps de jeu, chercher à mettre cette équipe à la faute. Et c'est le cas ici avec l'avantage, vous voyez le bras tendu de Monsieur Owens. Nalaga dans l'axe, qui est passé. Il les aime ces ballons, la Polonie Nalaga. Il a franchi, il a gagné quelques mètres précieux. L'avantage se poursuit maintenant avec Brock James. La solution large pour Regan King qui va naviguer dans la défense. Oh, joli. La passe pour Sivivatu. Sivivatu, un crochet, deux crochets. Le retour désespéré des défenseurs irlandais. Il faut sortir ce ballon rapidement. Sur la gauche. Et c'est pas le bon côté malheureusement. Avec Chouli qui va devoir faire l'effort de conserver. Morgan Parra. Il est seul. Va devoir arriver seul très vite pour soutenir Brock James. Ça va sortir néanmoins pour Clermont. On allonge avec la c'est passe. C'est bon, c'est bon, il faut aller au bout, sur le bout, Fofana, sur le bout, voilà, il va y avoir un essai pour Clermont. Oh, oh le crochet, oh, la Nalaga, la réussite, le premier essai. Ne trouve pas la touche, l'arrière-garde clermontoise veille au grain avec Malzieux et Floch qui amorcent la contre-attaque. Floch qui change de rythme et retrouve à l'extérieur Malzieux qui passe les bras et retrouve Floch qui a redoublé. Le retour intérieur pour Tipolo, les Clermontois qui enchaînent et qui débordent cette défense bordelaise. Nouveau point de fixation au niveau des 22 mètres. Le relais de Chaume dans l'axe qui casse 1, 2, 3 plaquages. Et le retour dans le fermé, Rado Savjevic qui trouve Nakaitasi, les fins de passe du funambule et retrouve Vermeulen à l'extérieur pour le premier essai de la rencontre. Les poteaux bordelais, l'effort des avant-clermontois, Vermeulen qui allonge mais ne trouve pas Brock James, Stanley qui fixe, Brock James qui a redoublé, Nakaitasi 2 contre 2, la croisée intérieure pour Malzieux pour son cinquième match de la saison, il s'offre en clermontois si près de la ligne, c'est Julien Malzieux qui arrive à hauteur de Brock James. Pour s'offrir un doublé, Clermont mène alors 20 James sur un pas pour Benson Stanley. Le 3 quarts central Black, tout juste remis d'une blessure au biceps, qui est face à un 3 contre 2, puis face à un 3 contre 1. Il finit l'action tout seul et cela fait 32-1-3. Le canambule apprécie cette action où tous les 3 quarts clermontois touchent la balle avec des remises intérieures à toi, à moi. Benson Stanley pour finalement Sivivatu qui arrive à hauteur et inscrit son 7e essai de la saison. Le 3 clermontois, Rado Savjevic avec Brock James qui saute pour Nakaitasi face à un surnombre, il finit l'action tout seul, le Fidjien comme une... assis. Clermont s'impose 67-3 avec 9 essais. Clermont plus que jamais leader jouera sa demi-finale de top 14 un samedi, une semaine après la finale de H-Cup. Restez radira. Solid as a rock in the first period, the Welshman. James so close to that first try. Rougerie might be something here. Nalanga goes down the touchline. Nalanga! James over the top, Rougerie's after this and he's taken it and he's playing such a big role and James, who nearly scored in the first half, does score!